Shalom, 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 paix et joie du Christ, alléluia. Je te souhaite un excellent dimanche, mon frère, ma sœur. Et nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu es en train de passer une merveilleuse journée dans la présence de Dieu? Alléluia. Alors nous allons bénir le Seigneur. Nous allons lui dire merci par ce cantique qui parle d'autorité. Pourquoi? Parce que l'évangile de ce jour nous parle de l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la synagogue où il était, tous étaient frappés par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité. Alléluia! Et il y avait un homme dans la synagogue qui était tourmenté par un esprit mauvais. Et Jésus a dit, « Tais-toi, sors de cet homme !» L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussa un grand cri, sorti de lui. Alors tous étaient frappés de stupeur. Et il se posait des questions. Alléluia! Il parlait de l'autorité de Jésus. Il parlait de la toute-puissance de Jésus. Car c'est lui-là même qui libère ta vie. C'est lui-là même qui délivre ta vie. Lorsque tu es oppressé, chargé, fatigué, alors il y a un nom. Il y a une puissance qui opère dans ta vie et qui te libère des démons et de leur tyrannie. Alléluia! Alors c'est le nom de Jésus. Et nous allons l'appeler ce matin. Nous allons le chanter, nous allons le louer, nous allons le proclamer dans nos vies, dans nos familles, dans toutes les parties, les aspects de nos vies, afin qu'il nous délivre de toute la tyrannie des démons, de tout ce qui nous fatigue, de toutes les ténèbres de nos vies, afin que nous soyons libérés. Alléluia! Je prie qu'en chantant cette louange, que tu te trouves délivré, que tu te trouves libéré, que tu te trouves guéri maintenant de tout ce qui te fatigue. Alléluia! Amen! Elle m'a été donnée, oh, elle m'a été donnée, eh, elle m'a été donnée, autorité, mienne autorité, elle m'a été donnée, autorité, mienne autorité, elle m'a été donnée. Toi la maladie, tu n'as pas d'autorité, toi le péché, tu n'as pas d'autorité. Et toi le sorcier, tu n'as pas d'autorité. Et toi le démon, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, ah, c'est Jésus qui règne avec son autorité. C'est Jésus qui règne, chante avec moi, c'est Jésus qui règne. Oh, dans son autorité, dans son nom glorieux, dans sa puissance, dans son amour, c'est Jésus qui règne, c'est Jésus qui agit. Autorité, autorité de Jésus, autorité, autorité de Jésus. Traîné dans un cortège triomphal, alléluia. Satan et ses suppôts, il les a traînés, il les a humiliés. Et il t'a donné aussi cette autorité depuis ton baptême de parler à toutes les situations dans ta vie et de les chasser de ta vie maintenant au nom de Jésus. Alors parle à ces situations dans ta vie et dis-leur que l'autorité de Jésus t'a été donnée, alléluia. Hey, hey, mienne autorité, elle m'a été donnée. Tu n'as pas d'autorité. Et toi le cancer, tu n'as pas d'autorité. Toi stérilité, tu n'as pas d'autorité. Et toi le chômage dans ma vie, ah, toi le célibat. Oui, c'est Jésus qui règne. Oui, c'est Jésus qui règne. Oui, et toi le péché, Jésus t'a vaincu. Et toi le péché,
péché qui me fatigue. Jésus t'a vaincu à la croix de Golgotha. Autorité. Oh, autorité. Est-ce que tu es en train de danser avec moi? Alléluia. Est-ce que Jésus t'a libéré? Est-ce que Jésus t'a délivré? Est-ce que Jésus t'a guéri? Oui, certainement. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se dédire. Alléluia. Et c'est sur ces mots que je te souhaite un excellent, un merveilleux dimanche dans la gloire et dans la toute-puissance du Seigneur. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs, nous dit la parole, par celui qui nous a aimés. Alors ne crains rien, n'aie pas peur, Jésus est avec toi. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.